Dans le cadre du projet Elimunijibu ya USAID, avec l'appui financier de l'Agence américaine pour le développement international, USAID, FHI 360, a lancé le go de remise de kits scolaires pour enseignants au site de déplacés de Kigonze dans la ville de Bunia ce mercredi 21 décembre 2022. Neuf directeurs et un superviseur du centre de rattrapage scolaire du DICIT, venus des écoles bénéficiaires de ce projet, sont satisfaits de ces dons qui va améliorer la qualité de l'enseignement. Nous sommes très contents parce que ces kits sont venus au bon moment. Les kits nous attendions déjà depuis que nous avions eu la formation sur lecture et écriture à Kiswahili. Bon, par rapport aux manières qu'on nous a présentées ici devant les autorités scolaires, on se réjouit parce que c'est ça de manière qu'on a tant attendu qui nous a parvenu aujourd'hui. Léonel Katindi, le coordonnateur provincial du projet en Ituri, a précisé que ce projet vient en appui au gouvernement congolais en matière de l'éducation et vise à renforcer la compétence des enfants en écriture, lecture et calcul. La distribution des matériels pédagogiques, c'est donc l'activité qui nous a réunis ce jour où nous avons distribué dans 9 écoles qui sont appuyées par le projet ici à Bunia, mais aussi un centre de rattrapage scolaire, des matériels pédagogiques pour renforcer la qualité de l'éducation. C'est un projet qui soutient la stratégie du gouvernement en matière d'éducation des enfants. Et donc nous intervenons pour renforcer la qualité de l'éducation, mais aussi pour favoriser l'accès à l'éducation. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, nous travaillons avec notre partenaire du consortium, l'organisation IRC, International Community Rescue, mais aussi nous travaillons avec 6 ONG nationales qui couvrent la partie est du pays. Et ici en Ituri, nous travaillons avec l'ONG AUSADEC. Mais nous aurons une deuxième phase que nous allons commencer d'ici le mois de janvier de manière opérationnelle. Et nous allons nous étendre dans 5 nouvelles provinces, notamment dans la province du Haut-Ouélé, la province du Kassai, la province du Kassai oriental et les provinces du nord et du sud Ubangi. Présent à cette cérémonie, les représentants de l'IPP demandent aux bénéficiaires d'en faire un très bon usage. Retenez que ce don est composé de manuels scolaires, de dictionnaires et autres kits adaptés.